Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Cheval des Métiers, présentée par Equiresources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisée par Eclat Agency. C'est déjà la deuxième saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté ? La Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrute sur des métiers très diversifiés avec le cheval des métiers. Et faites d'Equiresources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition. Equiresources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous! Bonjour Sylvie Moulzeau. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici au village équestre de Conches pour répondre aux questions pour le compte du podcast Le Cheval des Métiers pour Equiresources. Vous êtes instructrice d'équitation, diplômée de l'École nationale d'équitation à Saumur. L'idée, c'est vraiment de revenir sur votre parcours professionnel, votre formation, expliquer un peu comment est-ce que vous en êtes arrivée là. Donc pour commencer, est-ce que Sylvie, vous pourriez revenir sur votre parcours avant votre formation d'instructrice ? Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas du tout une fille issue du sérail, comme on dit. Hein. Je suis à la base une jeune fille des cités. Moi, je suis issue de la banlieue du 93 et je n'étais pas du tout destinée au métier du cheval. Donc moi, j'ai tout démarré comme une cavalière club d'une petite fille qu'on emmène à son club le mercredi et le samedi. Et puis, le virus est né de fil en aiguille. Je passais toutes mes vacances au sein de ce club. Voilà, j'avais dans l'idée d'être enseignante, peut-être institutrice, et j'ai réussi un peu à combiner cette passion des chevaux et cette passion de l'enseignement en me disant, eh bien tiens, après tout, le métier de monitrice pourrait me correspondre. Donc je suis allée jusqu'au bac. Après le bac, j'ai eu la chance d'intégrer le CEZ de Rambouillet, le centre d'enseignement zootechnique, où j'ai préparé à la fois mon monitorat et un BTS agricole. De fil en aiguille, je suis passée tour à tour cavalière chez des marchands de chevaux et puis j'ai enseigné à de jeunes enfants, puis à des adultes. Et puis le parcours fait que quand on est vraiment passionné d'enseignement, eh bien on veut continuer à se former, on veut continuer à se former à cheval. Et c'est plus tard que j'ai intégré l'École nationale d'équitation à Saumur où j'ai préparé mon diplôme d'instructeur car véritablement je voulais faire de la formation. Et puis, j'ai eu la chance à nouveau d'intégrer la prestigieuse école du village équestre de Conches, où j'ai mis en place, aux côtés de Jean-Pierre Buret à l'époque, une belle école de formation de moniteurs. Est-ce que vous avez eu un déclic à un certain moment ? Alors, vous me dites que vous avez toujours voulu enseigner, d'abord pour les enfants, de manière un peu plus classique. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez vraiment eu un déclic et où vous vous êtes dit « c'est ça que je dois faire, que je veux faire ». Oui, je pense que, soyons clairs, même si j'avais envie d'être institutrice, on ne peut pas se douter quand on est si jeune qu'on va avoir la passion de l'enseignement. Il ne faut pas avoir peur de se dire, on est tous venus à ce métier-là par amour des chevaux. C'est le cheval qui nous a attirés dans les clubs, ce n'est pas forcément les gens. Et je pense qu'à un moment, eh bien, quand dans les clubs, on voit des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont toujours fourrés dans les clubs et qui viennent donner un coup de main pour préparer des poneys, et puis d'un seul coup, on nous dit viens avec moi, viens m'aider. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que c'est passionnant, que c'est passionnant d'aider les autres, de partager sa passion. Et oui, on a un déclic à partir du moment où on continue à traîner dans les clubs et qu'on côtoie le public. C'est là qu'il faut que le déclic se fasse. Au bout d'un moment, on doit aimer autant être proche des chevaux que des gens. Et ensuite, donc, vous avez été monitrice et ensuite vous avez voulu pousser un peu plus loin en devenant instructrice. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez découvert ce métier ? Je pense que à nouveau, quand on enseigne, on est toujours avide de continuer à se former, que cette passion de transmettre, eh bien, on le fait au début à poney. C'est véritablement une approche qui peut être ludique, mais qui peut aider aussi à éduquer les enfants. J'allais dire, on a un fantastique moyen avec les chevaux et les poneys de participer à l'éducation et au développement des gens.
Par la suite, forcément, on nous confie les reprises chevaux. Là, à nouveau, alors on découvre le côté sportif, formé à une équitation qui est, où on construit des chevaux, où on va apprendre à aller en épreuve. Enfin, on a ce côté sport. Et puis, quand on est passionné d'enseignement, moi, je me suis toujours dit, j'aimerais former les enseignants de demain. Et ça va, en fait, on n'a pas toujours beaucoup les moyens de se former dans ce métier-là. Et la filière qui consistait à aller du monitorat vers l'instructorat, quand on voulait continuer à progresser, elle était presque comme une évidence. Et justement, cette formation d'instructeur, de l'instructorat, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, vous l'avez effectuée à l'École nationale d'équitation à Saumur. Est-ce que vous pourriez nous parler comment est-ce qu'elle se déroule, les enseignements, les contenus ? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Je suis la génération sortante des instructeurs. À l'époque, on suivait une formation sur une année complète. Aujourd'hui, avec la refonte des examens, il y a ce qu'on appelle un petit peu ce parcours avec la formation initiale où il y a des jeunes qui entrent en formation pour suivre l'ensemble de la filière BPGEPS, DEJEPS, DESJEPS, avec des parcours plutôt individualisés. Donc, c'est pas du tout cette formation-là que j'ai vécue. Aujourd'hui, je suis mal placée pour vous détailler cette formation. Ce qui est sûr, c'est que la formation reste technique, ça c'est une évidence, et pédagogique, bien évidemment, avec tout l'aspect du travail des chevaux, puisque faut aussi penser qu'un instructeur qui va former les enseignants de demain doit aussi former ses enseignants à former sa cavalerie. Donc il y a véritablement tout cet aspect-là qui est abordé. Ici, on est au village équestre de Conches, qui est quand même une grosse structure. Est-ce que vous pensez que le métier d'instructeur est un métier où on trouve beaucoup de places, d'emplois ? Quelle est la dynamique d'emploi, en fait, de cette activité-là ? Je pense que je redoutais un peu cette question, parce que, hélas, aujourd'hui, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont jusqu'à l'instructorat le font pour se former, pour continuer à évoluer dans leur technique et dans leur enseignement. Hélas, aujourd'hui, je pense que peu de structures sont à même d'embaucher des instructeurs. Soyons clairs, commercialement parlant, ça coûte cher d'embaucher un instructeur. Et aujourd'hui, légalement, ce diplôme-là n'est plus forcément indispensable pour former des moniteurs. Ça n'est plus dans le cahier des charges. Et hélas, je pense qu'en termes d'employabilité, c'est compliqué de devenir un jeune instructeur aujourd'hui. Est-ce que, Sylvie, vous pourriez nous décrire une journée classique ici au village équestre de Conches ? Alors, c'est toujours une question compliquée parce qu'il n'y a jamais de journée classique. C'est vrai que quand on est au contact des chevaux et dans la filière équestre, les journées ne se ressemblent pas en général. Mais si vous aviez une idée de votre journée classique quand vous êtes en train de gérer des élèves moniteurs ? Donc vous avez fait une première partie de la réponse déjà, effectivement, parce qu'il y a quand même deux temps importants dans l'année, par exemple, c'est-à-dire le temps où on est réellement en formation pure avec des enseignants, où moi, mes enseignants, on court en général de 9h à midi et de 13h à 17h, j'allais dire. Déjà, ils sont à cheval, pour certains, 1h30 par jour, d'autres, 2 fois 1h30 par jour. Les jeunes qui sont formés à l'AE, par exemple, commencent toujours par un temps aux écuries le matin, à peu près 1h30 de soins aux chevaux, se mettent à cheval 1h30. Ici, on a la chance d'avoir un self, donc tout le monde mange sur place. L'après-midi, on les retrouve à cheval pendant 1h30. Donc, ils montent en général de 13h30 à 15h. Puis de 15h30 à 17h, ils sont à nouveau en salle, soit en pédagogie théorique, soit sur un travail à pied avec des poneys, etc. Les deuxièmes années, ceux qui sont en formation plutôt sur le BPGEP, eux ne montent plus qu'un créneau de 2 heures jour et le reste ils le font en salle, mais il y a des compétences extrêmement larges à aborder. Certes, on parle encore d'hippologie, d'équitation théorique, de pédagogie théorique, de connaissance des publics, mais ils ont aussi des cours de communication, ils ont des cours de réglementation, de gestion de l'activité, des cours pour monter les projets, pour budgétiser des actions. C'est un métier qui aujourd'hui demande un champ de compétences extrêmement large, et croyez-moi, sur une année, c'est loin d'être de trop. Et donc ces jeunes-là, quand ils sont en formation, ont plutôt ce type d'emploi du temps. Et puis il y a les temps où ils sont en vis-à-vis public. Donc au cours de l'année, en général le mercredi et le samedi, ils font leur mise en situation.
Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, on peut aussi préparer son diplôme par apprentissage. Donc, certains parmi eux sont 2 jours par semaine dans les organismes de formation, puis le reste de la semaine partent chez leur patron, où là, les journées se font en fonction de l'activité des clubs. Il y a des jours forcément un peu plus creux, et puis des journées comme le mercredi et le samedi, qui, vous le savez, sont très remplies puisque le public est présent. Vous parliez là à l'instant de compétences beaucoup plus larges, de communication, budgétisation, gestion, etc. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu évoluer dans le temps ? Oui, je pense qu'on en demande de plus en plus aux enseignants aujourd'hui. Ils doivent sans arrêt, ils doivent être hommes de cheval, mais ils doivent aussi être capables de passer sur une petite réparation, mais d'accueillir un public et d'être aussi dans le social. Les moniteurs aujourd'hui reçoivent des publics extrêmement larges qui vont du public handicapé ou alors des publics dans la réinsertion, mais ils touchent aussi des petits. On fait du poney nounou aujourd'hui à partir de 18 mois, mais on accueille des adultes. Vous vous rendez compte du champ de compétences, du champ pédagogique extrêmement large, cette ouverture d'esprit qu'il faut avoir. Donc je pense surtout qu'il faut conseiller à ces enseignants-là de toucher le plus possible à tout, parce qu'on leur demande aussi de se servir du horseball, de l'endurance, du hunter, du mountain game, du pony game, de l'équifun. Vous vous rendez compte de la richesse de nos activités. Et aujourd'hui, on leur demande d'aller piocher dans tout ça pour améliorer leur enseignement. Ce champ de compétences, il s'est diversifié avec les années. Moi, je dois avouer que ma génération enseignait le dressage, l'obstacle, le concours complet, un peu de travail à pied dans le meilleur des cas. Vous vous rendez compte aujourd'hui de l'évolution de nos activités. Le travail à pied aujourd'hui a une place incroyable. Les clubs qui aujourd'hui ne pratiquent pas une approche des chevaux à pied par l'éthologie, ne vont pas exister très longtemps. Sans compter la notion de bien-être animal qui aujourd'hui est au cœur des activités. Et on demande aux enseignants de gérer leur cavalerie, de réadapter leur structure pour répondre à ce réel besoin de la clientèle et qui est un besoin légitime. Est-ce que Sylvie, vous pourriez maintenant nous dire un peu quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients de votre métier ? Quelles sont les choses qui vous plaisent plus que tout et qui font qu'aujourd'hui vous exercez ? Et puis les petites choses dont vous vous passerez bien de temps en temps. Alors, si je parle du métier d'instructeur, je dois dire que ce qui me plaît toujours autant, c'est les gens. Les gens, je les ai vus évoluer. Ça, c'est évident que, encore une fois, on essaye, nous, la vieille génération d'instructeurs, de ne pas être trop sévère par rapport à un regard qu'on pourrait poser sur une jeunesse qu'on trouve un peu trop chouchoutée, un peu moins investie, parfois. Mais je pense qu'il faut rester très zen par rapport à ça. Ce qui continue à me plaire, moi, c'est de me servir des chevaux pour construire des gens, parce que notre discipline est fabuleuse pour ça. Il y a tout ce côté technique, mais il y a ce côté développement comportemental. L'équitation, ça forme des citoyens aussi. Et ça, je continue même à me former dans ce sens-là pour me rendre compte à quel point c'est fascinant. Les points dont je me passerais bien, je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose dont je ne me passerais pas, mais si... à bien y réfléchir, la lourdeur administrative qui nous est imposée aujourd'hui. Des réglementations sans cesse plus importantes, peut-être aussi le regard de certaines personnes qui pensent que pour monter à cheval, il ne faut plus tomber, qu'il ne faut pas se faire mal, et d'être obligé sans cesse de se justifier. Ça, c'est sûrement le côté que j'aimerais bien éviter. Et puis, ce flicage incessant de certaines instances qui pensent toujours qu'on fait les choses ou pas très bien, pour que tout le monde soit toujours protégé tout le temps. Et ça, c'est lourd. Administrativement, aujourd'hui, oui. Oui, c'est clair. C'est la partie dont j'aimerais me passer. Quelles sont, d'après vous, les qualités nécessaires pour aujourd'hui exercer l'activité d'instructeur ? Pour un jeune, justement, les jeunes que vous formez, alors, ils sont là pour être moniteurs, mais j'imagine que peut-être vous en avez qui ont envie d'aller un peu plus loin dans la formation, de devenir instructeur. Quelles sont les qualités dont ils ont besoin ?
On a besoin des mêmes qualités que dans le métier de moniteur. Pour autant, voilà, c'est une autre approche du métier, mais il ne faut pas plus ou moins de qualité. J'allais dire, un bon enseignant, il va se diriger vers le métier d'instructeur parce qu'il a envie de faire de la formation. Mais un enseignant qui a envie de se spécialiser dans le travail à pied, je pense que la vraie qualité d'un enseignant pour durer dans ce métier-là, c'est de rester curieux et de se former, de continuer à évoluer. Alors, ça peut être d'aller vers le métier d'instructeur, si on a envie de former une génération de moniteurs. Mais pas que. Il ne faut pas penser que les instructeurs, c'est l'élite et il y a les autres. Non, celui qui va se passionner pour emmener des jeunes à poney sur de belles épreuves, celui qui va se passionner pour le Mountain Game, je disais, en disant aujourd'hui, le Mountain Trail, pardon, hein, j'espère que les initiés ne m'en voudront pas, mais celui qui va aller vers la branche éthologique, celui, il a tout autant de mérite. Le tout, c'est, je pense qu'on peut se blaser du métier de l'enseignement si on reste avec notre bagage de départ. Après, le reste, c'est qu'une question de motivation et de curiosité, vraiment. Vous disiez tout à l'heure que malheureusement, le diplôme d'instructeur n'était plus forcément nécessaire aujourd'hui. Quelles sont les projections personnelles que vous faites et les perspectives que vous faites de ce métier-là dans les années à venir, disons 5-10 ans? J'ai tendance à penser aujourd'hui que former des enseignants, effectivement, il faut peut-être réaborder le métier d'instructeur parce que le métier d'enseignant évolue tellement, justement, qu'il faut peut-être repenser à ce qu'on met dans cette formation d'instructeur qui était réellement le nec plus ultra à une époque où on mettait des gens à cheval d'une certaine façon et qu'on les faisait enseigner d'une certaine façon. Aujourd'hui, je pense réellement que d'avoir des instructeurs qui ont un champ aussi de compétences extrêmement large pour former les enseignants de demain, oui, ça me semble indispensable. Je vois très bien l'évolution de ça. Peut-être pourrait-on repenser les contenus, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, penser à se dire, bah voilà, une structure équestre aujourd'hui, c'est pas la structure équestre qui va apparaître dans 5 ans, dans 10 ans. D'abord, on est mis à mal un petit peu par certains animalistes, je pense qu'aujourd'hui, monter des écuries actives, ça semble être une évidence, mais ça va changer l'approche de ces enseignants. Qu'aujourd'hui, des instructeurs aient cette compétence-là pour emmener tous ces jeunes-là sur le chemin de pour vous installer demain, voilà ce que vous pouvez réussir à faire. Pour toucher un large public, voilà ce que vous pouvez réussir à faire. Moi, je pense que le métier d'instructeur, il a toujours une valeur pour ça, réellement. Pour terminer, Sylvie, quel conseil ou quel mot est-ce que vous pourriez prodiguer aux jeunes qui souhaiteraient faire le même métier que vous ? Avoir envie. Je crois que ce métier-là, il peut sembler réellement difficile de par cette disponibilité qu'il faut avoir, qu'elle soit vis-à-vis des chevaux, mais aussi vis-à-vis des gens. Je pense que si on est généreux, bienveillant envers les autres, mais aussi envers les chevaux, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une place pour ces jeunes-là. Bien sûr, tout le monde l'a déjà dit, que la passion des chevaux est insuffisante pour durer dans ce métier. Je trouve qu'il y a toujours autant de jeunes passionnés. Je mets en garde les jeunes qui font cette formation-là uniquement pour continuer à monter à cheval, parce que c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir se former à cheval sur le long terme. On ne sait pas trop où aller. Donc, suivez votre instinct. C'est vraiment un chouette métier, vraiment, quand on est fait pour lui. Donc, le conseil que je donne, c'est voilà, n'écoutez pas trop ce qu'on vous dit et suivez votre instinct. Merci beaucoup, Sylvie. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors, ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. En France, pour devenir instructeur ou enseignant responsable pédagogique, il est obligatoire d'avoir le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, DES-JEPS, mention sport équestre. Ce diplôme d'enseignement permet de se spécialiser dans l'encadrement et la formation des futurs enseignants d'équitation. L'instructeur est un pédagogue avant tout. En plus d'avoir de solides compétences techniques en équitation et de l'expérience en concours, il doit être spécialiste de l'enseignement, savoir transmettre ses connaissances,
et les méthodes pour les enseigner aux autres. Il est possible d'être salarié d'un organisme de formation, d'une structure équestre ou être installé à son propre compte. Attention, avoir des compétences en gestion d'entreprise et en communication seront nécessaires. L'instructeur est amené à gérer une écurie, son personnel, monter des dossiers pour organiser et développer des événements ou des formations. Autant le métier d'enseignement d'équitation recrute largement, près de 700 offres d'emploi sont publiées sur Equiresources en moyenne chaque année. Autant les offres de salariés en tant qu'instructeurs sont moindres. 10 sont publiées en moyenne chaque année. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier enseignant responsable pédagogique sur le site equiresources.fr. N'hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresources, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production Éclat Agency.